Insécurité à Kimpese, dans le Congo central, le ministre des Droits humains Fabrice Puella appelle la population au calme et annonce l'envoi d'une mission du gouvernement sur place pour s'enquérir de la situation. Et puis, un gisement de coltan a été découvert dans le site Kanté du Kenya, dont la valeur de ce réserve reste encore à déterminer. Une annonce faite par le ministre kenyan de Mines, de l'Économie bleue et des Affaires maritimes. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Après quelques jours de révolte de la population contre l'insécurité qui règne au Congo central à la base d'une dizaine de morts, le ministre des Droits humains Fabrice Puella appelle la population au calme et annonce l'envoi d'une mission du gouvernement pour s'enquérir de la situation pour mettre fin à cette insécurité. Un couvre-feu a été décrété depuis mardi 30 janvier dans la soirée de 20h à 5h du matin sur toute l'étendue de la localité de Kimpese au Congo central. Je vous propose de suivre le ministre des Droits humains dans ce propos recueilli par Rachel. La situation qui prévaut dans la cité de Kimpese, dans les territoires de Songololo au Congo central, préoccupe au plus haut point les institutions de la République. C'est ainsi qu'une mission est diligentée, mission conduite par le ministère de l'Intérieur, mission conjointe intérieure, justice et droits humains, afin de faire toute la lumière sur la situation et établir les responsabilités qui s'imposent. En attendant, nous demandons à la population du territoire de Songololo et des environs de vaquer à leurs occupations, d'être calme, de faire confiance aux institutions de la République parce que le gouvernement prend la mesure de la préoccupation de la situation et une réponse idoine sera réservé. Nous demandons à la population, à toutes les forces vives du territoire de Songololo, de mettre à profit la présence de cette commission pour dire tout ce qui fâche, pour exprimer toutes leurs préoccupations en toute liberté et en toute responsabilité. Personne ne sera arrêté pour avoir librement exprimé ses opinions. Et le gouvernement et toutes les institutions de la République réserveront la réponse qu'il faut pour que la paix revienne. La sécurité surtout, nous n'oublions pas en tant que ministre des droits humains qu'après le droit à la vie, le droit à la sécurité est l'un des autres droits fondamentaux qui sont reconnus à la vie humaine. La situation est d'autant plus préoccupante que cela empêche le libre mouvement des personnes et des biens. Voyez comment les gens sont bloqués de part et d'autre de Kimpese alors que la vie continue. Il y a des malades qui doivent se faire soigner et à Limé et à Kinshasa et cela est très préoccupant. Nous risquons d'assister à d'autres calamités si nous ne trouvons pas des solutions. Donc un appel est lancé à l'égard de la population, à toutes les organisations, au calme et à faire confiance aux institutions de la République. Le chef de l'État venait d'être élu et il fait de la sécurité des personnes et des biens sa plus grande préoccupation. Et puis le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, reçut l'ambassadrice du Royaume de Belgique en poste à Kinshasa, Rosanne Sordeling. Les deux personnalités ont échangé autour de la relation bilatérale dans le domaine militaire entre la Belgique et la RDC. La Belgique s'est dit inquiète de la situation humanitaire dans l'est du pays et a réitéré son engagement à appuyer les forces armées congolaises pour qu'elles soient capable de défendre le territoire national contre les agressions extérieures. Suivez Rosanne Sordeling au sorti de ces échanges. Nous avons évoqué bien sûr le partenariat bilatéral qui existe en matière de défense entre la Belgique et la République démocratique du Congo.
Nous avons encore renforcé ce partenariat. Nous sommes présents avec des formations, avec un appui. Nous allons aussi soutenir l'académie militaire des officiers. Nous avons un partenariat aussi avec des équipes dans le domaine de la santé, donc la formation avec les différentes écoles, etc. Donc c'est vraiment un partenariat multiple, une grande coopération entre les deux pays qui est florissante. Mais on serait inhumain si on n'était pas dérangé par la crise à l'est de la RDC. Il y a tous les jours des gens qui souffrent et forcément c'est une crise qui nous touche beaucoup pour les déplacés, pour les morts, pour les victimes. Donc on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là-bas. C'est aussi dans cet esprit-là qu'on aide à renforcer évidemment l'armée et les forces armées congolaises pour qu'elles puissent à terme être capables de défendre leur territoire contre les agressions extérieures et contre l'insécurité qui règne. Donc c'est vrai que ça nous touche beaucoup et on échange avec le vice-premier ministre sur la situation à l'Est et ce que la RDC est en train de faire, l'arrivée aussi des forces de la SADC qui sont sur le territoire maintenant et tout le programme de désarmement, le PDDRCS. Donc l'idée, c'est de pouvoir enfin désarmer tous ces groupes, les réinsérer dans la société et que tout le monde puisse se développer et vivre une vie paisible en toute sécurité. Autre chose, l'Angola veut que ses relations diplomatiques avec la RDC aient plus de contenu. C'est le ministre angolais en charge de relations extérieures, Tété Antonio, qui l'a dit après avoir été reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette rencontre a eu lieu quelques heures avant la cérémonie de change de vœux que Félix Tshisekedi a eu ce mardi avec le corps diplomatique accrédité à Kinshasa, où il a donné également les tons de la politique étrangère de la RD Congo pour son deuxième mandat. Suivez Tété Antonio après son échange avec le président congolais. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sous le président Félix-Antoine Tshisekedi, a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo. Et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. Et c'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lourenço à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC. Et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Bon, nous ne savons pas quelles ont été les victimes des crises cardiaques devant le pénalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente, et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Et c'est depuis le lundi 29 janvier dernier que la 4e législature de la 2e République a pris place à l'Assemblée nationale pour une session inaugurale. 39 ministres élus du gouvernement Samalou Kondé, lui-même élu, ont pris part à cette séance. Qu'arrivera-t-il au Premier ministre alors qu'il est également député national? Que disent le test? Maître Gauthier Moussiana, juriste de son État, est joint au téléphone par Rachel Missenga, nous donne de l'éclairage. Suivez.
Parlant de ainsi, nous devons admettre que nous n'avons pas besoin d'une démission classique du Premier ministre pour considérer que tout son gouvernement tombe. Nous n'avons pas besoin de ces formalismes classiques-là. Nous devons nous soumettre à la volonté du législateur qui voudrait que le mandat des parlementaires est incompatible avec le mandat des membres du gouvernement. Lorsque nous nous référons à la loi, parce que nous sommes esclaves de la loi, nous prenons déjà l'article 10. De la loi électorale numéro 22/029 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006. Cette loi voudrait que lorsque vous allez, en tant que membre du gouvernement ou en tant que mandataire, déposer votre candidature pour être éligible, vous devez également déposer dans le dossier des pièces votre demande de mise en disponibilité. Dès l'instant où le Premier ministre, qui est membre du gouvernement, postule pour être éligible, doit se conformer à cet article 10.4 de la loi électorale. Donc, il est démis d'office de ses fonctions. Je me pose la question de savoir, dans un état de droit comme le Congo, comment tous ces membres du gouvernement, tous ces mandataires, même les gouverneurs de province, se sont permis d'aller déposer leur candidature et rester en fonction. Je m'en vais vous lire la disposition de l'article de la Constitution, en son article 97, qui dit « Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif. » Donc, on ne peut pas maintenant là aller à l'Assemblée nationale comme parlementaire et rentrer le soir dans son bureau en tant que Premier ministre. C'est inadmissible. En sécurité, une avancée significative vient d'être enregistrée dans le processus de la pacification en Ituri. Pour preuve, le groupe d'autodéfense des communautés victimes de l'Ituri s'est ajouté sur la liste de ceux qui ont signé l'acte d'engagement pour la paix dans cette partie du pays, conformément à l'appel du chef de l'État. Suivez ce reportage. Ils ont déposé officiellement leur acte d'engagement pour la paix. Il s'agit de ces groupes d'autodéfense pour les communautés victimes de l'Ituri qui a ainsi adhéré ce lundi 29 janvier à l'histoire glorieuse de la restauration de l'autorité de l'État, mission principale de la mise en place de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Pour arriver à ce stade d'engagement solennel au processus de paix et notre engagement vis-à-vis du gouvernement, il a fallu une longue période d'au moins 3 ans émaillée de différents mensonges formulés à nos égards par des politiciens démagogues de l'Ituri ainsi que certains de nos communautés qui trouvent leur intérêt dans le sang des innocents qui coulent en Ituri. Vous qui n'avez plus besoin de la paix en Ituri, nous vous rappelons que Dieu existe et la justice existe aussi. Pour l'acteur politique Luc Malembe, cette adhésion est un pas de plus franchi pour la cessation des hostilités. Avec l'adhésion de ce groupe en fait au processus de paix, je crois qu'on vient de couper à Codeco les raisons de continuer à tuer. Parce que longtemps, quand Codeco tue, il dit qu'il répondait aux provocations des Zaïre. Pour sa part, le vice-gouverneur de l'Ituri, le général Raoul Tchaloué, a au nom du gouverneur militaire appelé ces jeunes à désarmer aussi leur cœur. Nous vous exhortons de demeurer dans les dits processus et de dire non à toute forme de manipulation. Nos sincères félicitations. Je demande aussi à tous les jeunes ituriens de désarmer aussi le cœur de la haine, qu'on vive ensemble. Notons que l'état de siège instauré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé ici en Ituri par le lieutenant général Luboya Kachamadjouni, a prouvé jusqu'ici que la paix en Ituri était possible avec l'engagement de filles et fils de l'Ituri, à l'instar de plusieurs groupes armés qui ont déjà adhéré au processus de paix, notamment la CODECO, le FPIC, le MAPI et autres. Rendons-nous à Kananga, où le résident de cette ville, dont la province du Kasai central, sont confrontés à une pénurie d'eau
potable persistante qui a affecté leur quotidien depuis plus de 30 jours. L'accès à l'eau propre est devenu un défi majeur, obligeant les citoyens à parcourir de grandes distances pour obtenir de l'eau pour leurs besoins essentiels. Suivez. La racine du problème remonte au 26 décembre, lorsque des inondations ont endommagé l'installation des traitements de la régie des eaux, le principal fournisseur d'eau. La pénurie d'eau a plongé la communauté dans une lutte quotidienne pour l'accès à l'eau, avec de scènes quotidiennes de résidents, en majorité des femmes et des enfants, transportant des récipients à travers la ville dans l'espoir de trouver un approvisionnement fiable. Le point de distribution de la régie des eaux sont à sec, exacerbant la crise. La société civile exprime ses face à cette situation critique. Vit un véritable calvaire, ne sait pas s'approvisionner en eau potable. C'est autant vous dire que la population est exposée depuis la fin de l'année à des maladies hydriques. Le pire est à craindre avec les petits-enfants et les femmes. Et la mortalité n'est pas à craindre. Et donc, ça, c'est les calvaires que nous avons. On peut observer à des endroits des longues files d'attente, là où les femmes, les filles sont exposées à longueur des journées, attendant à avoir quelques gouttes dans des bassins, dans des bidons, pour aller servir à la fois à des travaux ménagers, l'eau de boisson qu'on sort. C'est vraiment un véritable calvaire, une catastrophe qui s'accompagne. Et là, quand les femmes et les filles sont dans cette quête de l'eau-là, les violences ne se cherchent pas. Elles sont exposées à plusieurs formes de violences. Et donc, les cris d'alarme ont été déjà lancés pour que le gouvernement provincial tente d'apporter des solutions immédiates et tout ça, ça n'a pas tenu. Ils ont promis que le gouvernement central devrait s'impliquer et nous attendons jusque là, mais les autorités, le gouverneur a été élu député national, il est allé déjà siéger. La province est entre les mains des intérimaires. Nous continuons à lancer cet appel au gouvernement central pour dire que la population des Karangasa meurt à petit feu et le pire est à craindre, les maladies hydriques, les morts qui vont s'en suivre et d'autres conséquences sur les hommes, les femmes et les enfants. Le coût de l'eau a également grimpé. Certaines familles dépensent jusqu'à 5000 francs congolais quotidiennement pour s'approvisionner en eau, un fardeau financier non négligeable lorsque le prix varie entre 1000 et 1500 francs congolais par bassin. La communauté appelle à des actions immédiates pour restaurer l'approvisionnement en eau. Pendant ces temps, la régie des eaux s'efforce de réparer les dégâts causés par les inondations. À son usine de traitement. Bien que le calendrier pour le rétablissement complet du service reste incertain. Et puis, en sport, le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se sont clôturés ce mardi 30 janvier 2024 avec l'élimination du Maroc face à l'Afrique du Sud ainsi que la qualification de Léopards de la République démocratique du Congo à l'étape de quart de finale. Aucune nation favorite ne présente et tout reste à jouer dans cette compétition aux allures de surprise. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le 8e de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se sont terminés ce mardi 30 janvier 2024. Parmi les affiches qui ont animé ce 8e de finale, certaines ont donné lieu à des surprises. L'an dernier en date est toute récente. Le Maroc, auteur d'un super parcours en Coupe du Monde il y a à peine un peu plus d'un an, a été éliminé par l'Afrique du Sud sur la marque de 2-0. De son côté, la Côte d'Ivoire, pays hôte et au bord du précipice pendant la phase de poule, a éjecté les Sénégal tenant 10 titre après les tirs au but. Premier de leur poule avant le 8e, le Cap-Vert, l'Angola et les Mali verront le quart, tout comme la République démocratique du Congo de Lionel Pansy, tombeur de l'Égypte à l'issue des tirs au but conclus par le gardien congolais. Il ne reste donc plus que 8 équipes en lice pour trouver un successeur au Sénégal, vainqueur de la dernière édition. Voici donc le programme de quart. Vendredi 2 février à 18h, Nigeria-Angola, puis à 21h viendra l'explication République démocratique du Congo, Guinée-Conakry. Samedi 13 février à 18h, il y aura Mali-Côte d'Ivoire. Puis à 20h, le dernier quart de finale verra le Cap-Vert offrir son hospitalité à l'Afrique du Sud. Signalons par ailleurs que c'est pour la première fois depuis 1992 et la création du classement FIFA qu'aucune de 5 nations le mieux classée n'est soit qualifiée pour ce tour. Le Maroc 13e, le Sénégal 20e, la Tunisie 28e, l'Algérie 30e et l'Égypte 33e ont tous pris la porte au premier tour ou
en 8e de finale. Aucune de 8 équipes encore en lice n'était en quart de finale il y a 2 ans au Cameroun et aucune nation n'ayant disputé la dernière Coupe du Monde au Qatar est encore en lice. La suite de la compétition est déjà dessinée. En demi-finale, le vainqueur du match Nigeria-Angola affrontera le vainqueur du match Cap-Vert-Afrique du Sud. De l'autre côté, le vainqueur de Mali-Côte d'Ivoire défiera le vainqueur de RDC-Guinée. Mesdames, Messieurs, faisons place à la page internationale. La production laitière de l'Ouganda a augmenté de 37% pour atteindre 3,85 milliards de litres en 2023. Le ministère de l'Agriculture, de l'Industrie animale et de la Pêche signale que la valeur des exportations a augmenté de plus de la moitié pour atteindre 1 000 milliards de shillings contre 388 milliards de shillings enregistrés en 2022, alors que la transformation et les exportations sont en hausse, les éleveurs continuent de faire face à la fluctuation de prix, en particulier pendant les saisons de forte production. Africa 24. En Ouganda, le prix du litre de lait est revu à la baisse. Il passe de 1800 shillings à 1000 shillings. Seulement, malgré cette baisse, nombreux sont les producteurs qui n'arrivent pas à écouler leur stock de produits. Et pour pallier le problème, les coopératives spécialisées dans le transport et la commercialisation des produits laitiers se sont multipliées dans le pays. L'action de ces derniers a permis à l'industrie laitière de croître de 37% en 2023. Nous avons observé une amélioration considérable de la qualité du lait produit par les agriculteurs et les coopératives qui ont bénéficié de l'aide du gouvernement. Il s'agit de bidons de lait, de seaux et de machines à traire. Selon les agriculteurs locaux, les revenus de la production laitière auraient pu être meilleurs s'il n'y avait pas les perturbations constantes des marchés d'exportation. Les fermetures intermittentes des frontières et la limitation des importations de produits laitiers par le Kenya, principal marché d'exportation pour les produits laitiers ougandais, ont eu un impact notable sur les revenus des producteurs. Parce que c'est coûteux, vous n'obtenez que la moitié ou même pas la moitié de ce que vous avez commandé. Mais pour l'instant, comme la production a augmenté, on obtient ce que l'on a commandé. L'industrie laitière contribue de manière significative à l'économie ougandaise en assurant la subsistance de millions de personnes et en contribuant à la sécurité alimentaire. Je le dis au sommaire, le ministre kényan des Mines, de l'économie bleue et des affaires maritimes, Salim Mvuri, a annoncé le 24 janvier 2024 une découverte de gisements de coltan dans 6 comtés du Kenya. La valeur de ce réserve reste encore à déterminer, a précisé le responsable kényan, mais leur exploitation devrait porter la part du secteur minier kényan à 10% du PIB. Suivez. Le Kenya a officiellement rejoint la liste des pays africains ayant des réserves de coltan. Ceci après la découverte des gisements de coltan dans 6 comtés du pays. L'annonce a été faite le 24 janvier 2024 par le ministère des Mines du Kenya. Le coltan est un minerai largement utilisé dans la fabrication de composants électroniques, notamment dans des véhicules électriques et des ustensiles portables. À l'égard de l'industrie extractive du continent général, cette découverte vient encore confirmer la place importante de l'Afrique en tant que grenier minier de référence du monde. Pour ce faire, il sera davantage rentable pour le Kenya et les autres pays producteurs du continent d'être en mesure de transformer et valoriser au maximum sur place en local ces minerais de coltan pour les exporter au meilleur prix. Toutefois, le potentiel économique de ces ressources de coltan identifiées au Kenya n'est pas encore connu selon le dit ministère. Cependant, l'exploitation de ces gisements de coltan au Kenya devrait augmenter la contribution du secteur minier du pays qui représente moins d'1% du produit intérieur brut et que le gouvernement kényan veut déculper à 10% d'ici 2030. Face aux enjeux porteurs, il y a des défis majeurs auxquels le Kenya devra prêter une attention toute particulière.
Entre autres, il devra absolument veiller à la sécurité infantile, d'où l'intérêt de devoir former en local les futurs opérateurs de ces gisements. Le Kenya devra se donner les moyens structurels de ne pas reproduire les méthodes traditionnelles d'exploitation impliquant l'acide fluorhydrique au travers de procédés électriquement et financièrement coûteux et pas toujours éco-responsables. Le coltan, dont la demande internationale augmente rapidement, pourrait être un moteur de développement durable pour l'Afrique. Selon les analystes, son exploitation est un défi complexe, mais également une opportunité de transformer l'industrie minière africaine. À noter que la République démocratique du Congo regorge 70% des réserves mondiales de ce minerai. Insécurité à Kimpessé, dans le Congo central, le ministre des Droits humains, Fabrice Bula, appelle la population au calme et annonce l'envoi d'une mission du gouvernement sur place pour s'enquérir de la situation. Un gisement de coltan a été découvert dans 6 comtés du Kenya, dont la valeur de ses réserves reste encore à déterminer. Une annonce faite par le ministre kenyan des Mines, de l'Économie bleue et des Affaires maritimes. C'est tout pour ce soir, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.